Salut à tous, c'est Fatal Syndrome. On se retrouve pour une petite vidéo sur Shadowland, alias Yokai Dokuchi. C'est très dur à prononcer. C'est un jeu PC Engine aussi dispo sur arcade et NES. Donc, comme c'est écrit à l'écran, c'est un jeu de 87. C'est basé sans la licence sur GG no Kitaro, en français GG Kitaro le repoussant. C'est un manga des années 60 hein, qui a démocratisé les yokai, hein, tout ce qui est créatures du folklore japonais, comme les kappa et différentes bestioles de ce folklore-là. Et comment je connais ce jeu? Bah, je l'ai eu, moi, avec la console, la PC Engine. Quand j'ai acheté ma PC Engine d'occasion, il y avait ce jeu. On m'a donné ce jeu avec, hein, il est vendu avec ce jeu. Et bah, c'était un peu la tristitude, hein, parce que c'est pas fou, et surtout, c'est très, 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 très dur. Et j'avais beau à l'époque avoir cherché dans les magazines et j'avais trouvé un cheat code et tout, j'étais tout content. Et en fait, ce cheat code faisait juste une multiplication d'écran. Ce qui servait en fait à rien, à part à ne rien voir sur un 36 cm de l'époque. Encore dis-je 36 cm, je suis même pas sûr que l'écran que j'avais faisait cette taille. C'était peut-être plus petit. Donc quand l'écran se réduit en 9, en fait, bah, c'est comme si on jouait sur un écran de portable mais en cathodique. Du coup, bah, c'est ripou. Et ça aide pas du tout à finir le jeu. Il serait à sortir du premier stage. Voilà, parce que la difficulté est présente, hein, est bien présente. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. C'est par là. On y va. Bon, ah oui, si j'enlève la peau, ça marche mieux. Alors voilà, c'est le début, hein. Il y a très peu de stages, mais ils sont tous très longs. Voilà, on a une espèce de machin boomerang. Il y a du fric à ramasser. On peut laisser appuyer, je crois, pour faire. Non, je sais même pas comment on fait le pouvoir. Je me rappelle plus. Bon, il y a tirer, sauter, quoi. Et du fric à collecter pour acheter peut-être des upgrades. Voilà, il y a une barre de vie. Voilà, des trucs un peu gore. Hein. Il n'y a qu'une barre de vie et en fait quand c'est game over, c'est game over. Même il n'y a pas de continue en fait. Pour pouvoir continuer, il faut trouver un objet spécial. Qui est galère à trouver bien sûr, hein, que vous ne trouvez pas au premier stage. Donc le but c'est d'arriver au bout sans se faire toucher. Alors, désolé, j'essaie de garder un peu de concentration pour pas mourir comme un caca au bout de 2 secondes, mais c'est tendu. Hein, casse-toi, casse-toi, casse-toi. C'est hyper tendu. Merde, le roi des crapauds. Et c'est des yokai, les crapauds. Meurs, 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 meurs. Putain, c'est quel enfer. Oui, d'ailleurs, c'est le. Je te dirai une chose. Ah, il faut sauter pour aller en haut. D'accord. Ah oui, on peut jouer au jeu de dés, c'est vrai, pour gagner plus de fric, c'est ça? Tu peux parier. Putain, 2000 boules le jeté de dés. Quelle arnaque. Allez. On tente quand même. Oh, j'ai gagné! 5000 boules! Oh, je give up, moi, je suis. Tikiki. Tikiki. Ah! Mais foutez-moi la paix! Putain, il y a tête de bite géante qui est sortie de l'eau, là. Mais quel enfer! Donc le premier stage s'appelle l'enfer, hein, d'ailleurs, hein, à juste titre. Mais c'est imbutable, cette tête de bite, là. Ah si. Putain, j'ai même pas ramassé les 1000 points. Enfin, les 1000 frics. Je sais même pas si c'est du fric ou du point. Bon, voilà, il y a que 5 stages, et dites-vous... Ah d'accord, ça me faisait rien. Très bien. Dites-vous. Mais... Ah non, je vais avoir le son ce son du chaos tout le long. Putain, mais elle est où la M6 boutique là que j'achète des.
Rachète de la vie ou quelque chose. Faites quelque chose. Donc oui, je voulais dire un truc et puis du coup, je sais plus. Mais putain, mais cassez-vous. Putain, je sais même pas comment je suis pas mort. Mais meurs. Mais putain, mais il pousse plus vite que je le touche. Mais... Taras, Bulba. Voilà, c'est game over. Hein. Puis c'est game over, ciao quoi. C'est, tu y a pas de continue, c'est tu dégages. Y a, on a rien, y a plus rien à vendre. Donc oui, j'allais vous donner une information super importante avant de me faire foncer. C'est que le dernier niveau, donc qui est forcément le plus dur, pour avoir la vraie fin, enfin. La vraie fin, il y a plusieurs fins, mais pour avoir une fin sympathique, bah j'ai lu qu'il fallait le finir sans tuer un ennemi et sans se faire toucher. c'est, je sais pas comment on fait ce challenge. Ah, il me tue pas, c'est bien. C'est des cibles faciles. Ok. Ils sont juste là pour me filer du fric. Merde. Tout à l'heure j'ai tiré sur un truc, ça fait spru. Et là non. Ouais, j'allais dire c'est bizarre, j'ai pas vu les oiseaux. Ils sont pas venus me harceler avec leur caca. Mais y a pas non plus la tête de bite. Ah non, c'est après. Putain de. Je fuis. Je fuis, c'est la strat, hein. C'est la meilleure strat, c'est la fuite. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Ça se trouve c'est par là en fait. On s'acharne à monter, mais... Non, c'était juste pour prendre 1000 boules. Mais putain, mais c'est un... Ah mais non, mais eux ils te touchent en fait. Je comprends rien, tout à l'heure je passais à travers sans qu'ils me fassent rien, là ils me touchent. Et je peux rien leur faire. Ils sont dans le monde des esprits. De... Comment on trouve des upgrades? Ah, peut-être par là. Je vais pas aller à l'arbre tout de suite. Je vais tenter de voir s'il y a par là. Je fais l'explorateur. En fait, ça a l'air d'être par là. L'arbre ne servait à rien. Putain, je vais crever. Putain, c'est par là la suite. Putain, je me suis fait croquer par quoi là? Mais mon dieu, mais c'est dur! Bon, allez, oui, casse-toi. Je voudrais au moins vous montrer le premier boss, parce que pour vous montrer que c'est encore plus dur que dur. Allez, on joue bien, là. On a compris... Ah ! On a compris que la strat du jeu, c'est la fuite. Bon, il faut pas rater les sauts. Ouais, je fuis. Ciao, ciao, salut ! Ah, mais c'était ça, tout à l'heure. Et là, tout à l'heure, il est pas apparu. J'ai failli me faire blouser pour rien. Mais non, mais arrête de faire ton caca mou, là. Je sais pas pourquoi j'ai... Parfois, j'ai le tir qui vient me tourner, me tourmenter. En tournant autour de moi. C'est en laissant appuyer? Non. J'ai cru. Mais aucun rapport. Allez, je nage. En fait, ça, c'est immortel, ces conneries. Casse-toi. Mais putain, mais c'est pas vrai. Allez, eux, faut fuir. J'ai fait quoi tout à l'heure? Je suis monté? Non, je suis allé tout droit. Hein. Putain, mémoire de poisson rouge. Non, je vais tout droit, mais ça servait à rien. Faut monter ici. Putain, casse-toi, tête de cul. Je suis descendu, hein, tout à l'heure. Mais putain, il me poursuit de l'infini, lui, hein. Bon, alors là, c'était tout droit. Il fallait bourrer. Il fallait bourrer le tout droit.
Non, fallait pas trop bourrer le tout droit. Enfin, si. C'est par là, mais... Mais putain... Non, on peut pas lui sauter dessus. Je sais pas ce qu'il y a en haut. On tente. Il y a quoi en haut? Oh là là. Oh là là. Quelle angoisse. Ah merde. Maintenant, je fais comment? Et putain... Ah bon, en plus, c'est juste pour un 500 boules. Putain, le truc useless. Inutile, inutile, inutile. Inutile. Ah. Ces esquives de... Ah, on peut les bourrer, eux. Si on se tourne dans le bon sens. Mais pourquoi tu te tournes pas dans le bon sens Bon, allez. L'avantage de l'émulation, c'est le cheat. Infinite Energy. Allez, Infinite Energy. Allez, on tente, hein. Histoire de vous montrer au moins le boss. C'est parti. Moi, je peux jouer. Ça sert à rien du tout. J'y ai cru. Bon, bah là, ça devrait aller mieux, hein, sans perdre d'énergie. Puis c'est là que je vais bien jouer. Parce que c'est toujours comme ça. Regardez comment je fuis le versus. Parce que du coup, je n'ai plus peur. Ouais, c'est ça. Ah. Allez, tête de bite, casse-toi. Honnêtement, je me suis fait toucher deux fois, là. C'est mon record. Là, il faut monter. Et après, il faut redescendre. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et après, on bourre tout droit. Et je vais me... payer lui, là, qui vient de casser les noix. Ok, génial. Ensuite, je vais me payer... Putain, mais... Foutez-moi la paix. Bon, il se casse le caillou, là, de mon écran. Voilà, on arrive dans la boîte. Et là, il faut bourrer l'escalier rouge. Putain, mais alors, faut combien de tirs, quoi? Quel enfer. Ça va, t'as pas à chier partout, toi. Ah, tout à l'heure, je suis mort comme... Putain, mec. T'arrives à cet endroit du cauchemar, quoi. Le boss! Ah, voilà, là, vous allez voir que c'est spécial. Tu dois me vaincre pour... Voilà, et maintenant, on est... En mode... Putain... Alors, il faut bourrer lui. Putain, mais il y a tellement d'ennemis, mais... En fait, je sais même pas comment on peut le battre sans tricher, quoi. J'ai déjà réussi, hein, sur PC Engine. J'ai déjà vu la gueule du deuxième niveau. Mais je crois que j'ai... Il me restait tellement peu de vie que j'ai fait 2 mètres. Je crois que j'avais dû bourrer... J'ai trouvé une strat où... En me collant à l'ennemi et en bourrant comme ça, comme un sagouin. Open! Alors c'est quoi? C'est là, il y a le shop, enfin. C'est ça. Il y a enfin le shop. Comme je suis riche. Enfin, ça se trouve, non, il va me demander je sais pas combien. Vitality item, attacking item, other good. Attacking. Oh, mais comment c'est cher! Bon, ben on prend le two shot, hein, déjà. Y'a quoi en other good? Speed. Swim faster. Putain, je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, allez, on va marcher plus vite. Vitality, c'est quoi? Y'a de l'upgrade?
Ah bah ça va mieux hein, la vitesse hein. Effectivement. En fait je crois que pour finir le jeu il faut... faut avoir un peu de chance. Finir le premier stage. Faire un max de fric dans le premier level et tout acheter. Parce qu'il doit y avoir le continue et tout ça. Hein. C'est garanti. Mais j'ai pas eu le temps de faire. J'ai pas eu le temps de faire. Hein. Il faut avoir du fric et tout bourré hein, et tout. Vas-y, mais meurs maintenant les oiseaux, il faut leur faut 12 coups pour 12 coups de minuit pour les. Pour les toucher. Tu vas grimper, ouais. Je vais rester calme. Voilà. Tout ça pour ça. Putain de yokai, casse-toi. Mais quel jeu de l'angoisse. Laissez-moi tranquille. Oh là là, mais quelle horreur. Tiens, je vais prendre un petit screenshot, j'ai pas pris de screenshot. Putain, mais comment il faut le bourrer, quoi. Je sais bien que c'est un mid-boss, mais quand même, quoi. C'est un peu abusé, non, ce nombre de tirs. Oh là, c'est magnifique, screenshot. Tellement beau. Ah, c'est un alien, en fait, en vrai. Bon, je peux faire 1000 heures hein, sur ce jeu, hein, vous savez. On peut rentrer dans la puerte. Bon, allez, ça fait un quart d'heure, je vais vous laisser là. C'était Yukai Douchi Shadowland, un jeu PC Engine qu'il est dur. Bah, si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Et sinon, il y a plein d'autres contenus sur ma chaîne. Hein, j'ai fait... quasiment 200 vidéos de jeux, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi regarder, même si c'est pas de tout de qualité extravagante. Merci.